Donc cette saison, concernant notre section sport-études au sein du pôle formation Hurricanes, nos jeunes disposent de 4 à 6 séances d'entraînement par semaine, selon leur catégorie d'âge. 4 séances d'entraînement pour les cadets, 5 à 6 séances d'entraînement pour les juniors. Donc, parmi ces entraînements, nous avons bien entendu une grosse partie qui concerne le football sur terrain. Donc une à deux séances collectives par semaine, une pour les cadets, deux pour les juniors, plus une grosse séance de technique individuelle spécifique au pôle de formation le samedi après-midi, enfin une séance vidéo qui elle se fait en salle. Concernant l'organisation de la préparation physique sur la saison, l'objectif est double. Donc, d'une part, on a le développement des qualités physiques et d'autre part, on a le travail de prévention des blessures. Cette préparation physique va se dégager de grands axes. On a la préparation musculaire qui se fait ici même, en espace musculation et functional training, et la préparation athlétique qui, elle, se fait sur terrain. Il faut savoir également que lors de chaque séance de préparation musculaire, on intègre une partie de prévention des blessures que les jeunes doivent accomplir à chaque séance en continu tout au long de l'année. Concernant la partie préparation musculaire, chaque jeune qui entre au pôle de formation va bénéficier d'un long cycle d'initiation pendant lequel il va apprendre et mémoriser tous les gestes techniques à réaliser en salle de musculation. Ce long cycle d'initiation va permettre aux jeunes de s'adapter aux différents types d'efforts et également d'apprendre les règles de sécurité qui sont très importantes en salle de musculation. Voilà, l'objectif en séance de musculation est d'une part le développement des qualités physiques telles que la force, la puissance et l'explosivité qui sont des qualités physiques importantes, plutôt déterminantes au football américain, et d'autre part de diminuer le risque de blessure sur la séance. Excellent. Allez, pousse. Encore. Donc pour la partie préparation athlétique, elle se fait sur terrain. La qualité physique à travailler en priorité est la vitesse. C'est vraiment la qualité indispensable et déterminante dans l'activité football américain. Donc c'est un axe de travail qu'on cherche à développer au maximum. Et nous avons également des notions de puissance, vitesse, explosivité, beaucoup de changements d'appui. Voilà. On essaie vraiment de travailler dans cet axe-là sur le terrain. Voilà, mon rôle au sein du pôle de formation est dans un premier temps de former les jeunes autant au travail en salle de musculation que sur terrain, donc préparation musculaire et préparation athlétique. Mais l'objectif est également de les rendre autonomes, de manière à ce qu'au bout de 2 ou 3 années de sport-études, au moment où ils vont sortir du circuit formation, ils soient capables de se prendre en charge et de maintenir une bonne condition physique grâce à des séances de musculation, on va dire, cohérentes et à une préparation physique de terrain en adéquation avec leur activité football américain. Au lieu de suivre, on n'aura pas de deuxième chance. Voilà, ne laissez personne se mettre entre vous et un deuxième coup. Oh,